Bonjour. Alors, je suis désolé. Une fois de plus, j'ai commencé à travailler sur des numéros, des grappes de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Cette fois-ci, il s'agit donc du clocher Azirith du numéro 36. Et en cours de route, je me suis dit, attends, il faut quand même que tu montres un petit peu ce que tu fais comme phase donc, de préparation. Et là, en l'occurrence, je me suis dit que parler de brossage à sec avec du Corax White et de l'utilisation de la peinture contraste, ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Et donc, voilà. Donc, le clocher Azirith. Alors, j'ai travaillé sur une base à la fois de noir et de marron, mais aussi un petit peu de doré, comme vous voyez ici. Pour la cloche elle-même, avec la bombe de doré dont je vous parle souvent de chez Action. D'ailleurs, j'espère qu'il la propose encore. Hein, voilà. Sinon, au pire, les bombes de chez Mister Hobby sont vraiment pas mal. Et très clairement, c'est beaucoup plus brillant que ça ne le sera jamais avec du Retributor Armor, même si on peut obtenir des choses assez sympas comme ici. Mais est-ce que c'est pas pour ça que je voulais faire cette vidéo avec une première partie de Work in Progress? C'est que je voulais signifier simplement qu'avec cette peinture de base et ensuite tout simplement un brossage à sec avec un pinceau brosse, pas forcément un pinceau brosse très 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 cher quoi. Bon, celui-là est peut-être un peu grossier. Voilà, ça fait vraiment poil de porc, voilà, mais ça peut faire le job. Vous pouvez le faire avec des pinceaux brosses beaucoup plus fins, voire ce qui est proposé pour faire du dry brush par Citadel, mais je trouve que c'est beaucoup trop petit. Reste que donc avec donc du Corax White, voilà, avec le Corax White qu'on a souvent avec les collections Mortal Realms et tout ça. Bah c'est l'occasion d'en profiter parce que moi je trouve que ça couvre assez mal et c'est parfait parce que justement comme c'est un petit peu transparent et ben avec le petit côté crayeux en plus c'est parfait pour accrocher des pigments plus tard et vous allez voir l'avantage de tout cela beaucoup plus qu'avec ces autres pots de peinture. Alors ouais, la White Scar je l'aime pas trop mais la base céramique Céramite White, celle-ci là, elle est vraiment très très bien, elle couvre très très bien pour du blanc, c'est vraiment très très cool. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est brossage à sec simple, donc avec du blanc. Donc, vous connaissez, j'ose espérer, le principe du brossage à sec. Cependant, je peux peut-être quand même vous montrer ce que ça donne sur certaines pièces. Voyons donc pour le coup. Pas besoin de diluer la peinture comme il est souvent proposé pour peindre par exemple des figurines quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc directement dans le pot un peu de Corax White. Vous pouvez mettre ça sur une palette, mais moi je vais mettre ça dans un pot de yaourt. Voilà. Alors il y en a qui aiment à éponger, on va dire ça, sur. On va dire par exemple un bout de papier absorbant ou un tissu. Moi j'aime pas ça parce que tout simplement ça veut dire que la peinture est perdue. Donc celle-là, si je la laisse sécher, elle sera perdue aussi. Mais pas tant que ça si je ne la laisse pas sécher déjà parce qu'il faut travailler vite. Eh bien, je pourrais récupérer la peinture avant qu'elle sèche. Alors que si vous faites ça sur un papier absorbant, bah c'est foutu. Et donc bah vous mettez de l'argent en l'air, hein, voilà, ni plus ni moins. Cependant, ce que j'ai mis sur le pinceau, il y en a peut-être trop. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple, alors du coup, parce que là, ça c'est un morceau de grappe, on va dire, normalement, ouais, avec donc les pastilles d'éjection. Donc du coup, je peux faire ça comme ça, je peux même encore du coup étaler le Corax White qui pour le coup là d'ailleurs
Bah couvre bien, hein. Voilà, je suis bien attrapé. Moi qui vous ai dit que c'était un peu transparent, c'est pas le cas là. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a de la peinture de base donc une peinture d'après qui accroche bien la peinture. Mais donc là, j'appuie fort et la peinture est encore trop présente sur le pinceau, mais qu'importe, à la rigueur, de toute façon, il n'est pas nécessaire d'appuyer dessus. Je peux très bien faire comme ça. Vous voyez? Et vous devriez apercevoir que, certes, il y a du blanc qui est déposé, mais surtout, ça relève les détails. Et c'est ce que vous voulez, que ça relève les détails. Parce que après, ce que je vais vous proposer, c'est soit avec des lavis, soit avec des peintures contrastes, de faire en sorte que ce blanc devienne une autre couleur et que finalement, justement, les détails des pièces soient révélés par une autre peinture, un jus ou quoi. Mais si possible, il faut en fait brosser, justement, pas dans le sens des veines du bois, pour faire en sorte que justement le blanc accroche. Au lieu d'aller dans les creux, il va aller uniquement sur les bords. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez, sur les pierres. Et hop, voilà. Alors normalement, si je veux faire ça proprement, je devrais faire ça uniquement là où la peinture doit représenter la lumière qui arrive sur une surface. Mais c'est pas grave, parce que là l'idée c'est moins de signifier où la lumière accroche que de préparer la surface à recevoir une autre teinte finalement. Et donc vous voyez un petit peu mieux maintenant pourquoi ces pièces semblent un peu justement crayeuses, un peu blanches. Et là, par exemple, là, ça n'avait pas été fait du tout. Donc, je peux faire ça comme ça. Hop, voilà. Et ça prépare encore une fois la pièce à la peinture contraste que je vais appliquer. Ensuite, là, pareil, le marron était tel quel. Hop. 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 Hop, voilà. Et c'est ce que j'ai fait sur les squelettes. J'avais insisté un petit peu plus sur les squelettes. Et pourquoi? Parce que là encore, j'ai laissé des exemples précis. Parce que là, j'avais fait le brossage à sec blanc sur le squelette. Et ensuite, j'ai fait donc du Runlord Brass et un petit peu de Retributor Armor qui accroche un petit peu plus. Mais vous voyez que là, on a deux squelettes différents. Et c'est parce qu'en fait, sur le blanc, j'ai appliqué cette peinture contraste qui est vraiment géniale. J'aurais très bien pu mettre du Agrax Earth Shade et des jus comme ça. Voilà ce que j'en ai là. Voilà, ces pots de Shade. Agrax Earth Shade, voilà, ça peut marcher éventuellement. Mais le truc, c'est qu'il y a moins de pigments et surtout, ça donne pas un résultat aussi bon, selon moi. Donc, ce que je vous propose, là aussi, c'est de vous montrer très rapidement, vous voyez, là, c'est en temps réel, de vous montrer ce que je fais avec, en plus, des pinceaux. Vraiment, on va prendre des pinceaux de base, hein, parce qu'on a eu des pinceaux de base avec la collection. Et ben, hop. Je remue quand même un petit peu parce que ça a tendance à avoir les pigments au fond du pot. J'allais dire à l'ancienne, mais c'est ça. Et là, donc, on va pouvoir appliquer cette peinture contraste très très simplement sur le squelette. Voilà.
Alors évidemment, si je filme ma main au lieu de vous montrer ce que je fais, c'est pas pratique, mais c'est aussi pour ça que j'aime pas me filmer quand je travaille. Mais là, c'est pour vous donner un exemple. Donc je n'oublie pas de faire les deux côtés. Hein. Mais voilà. J'en profite pour rattraper ce que j'ai éventuellement raté et que je n'ai toujours pas filmé sur l'autre. Mais voyez le résultat. Il est immédiat, notamment pour avoir renversé le pot. Bon, et bien voilà un exemple parfait de pourquoi je n'aime pas me filmer en train de travailler. Voilà, j'ai renversé un pot. En plus, quand vous connaissez le prix des peintures contrastes, ça fait un peu mal au popotin. Et donc ce que j'ai fait par contre, sachez-le, si jamais ça vous arrive, déjà ça prouve aussi qu'il faut protéger son espace de travail et faire ça sur un tapis de découpe, ça peut être utile. En plus de ça, comme c'est en plastique, et ben en fait j'ai enlevé ce qu'il y avait dessus, j'ai plié comme vous le voyez un petit peu le tapis et j'ai versé ce que j'ai pu dans le pot. Mine de rien, ça m'a permis de récupérer un max de choses. Et maintenant, bah, je m'occupe. je prends ce qui reste sur le tapis de découpe. Parce que, encore une fois, chaque pigment qu'il y a là-dedans, ça doit valoir au moins l'équivalent de mon poids en diamant. Donc, j'avais pas prévu de mettre ça sur le bois. Mais tant pis. Et bah, on va en profiter pour faire le reste des squelettes. Donc, encore une fois, vous voyez, là, avec la skeleton horde ici. Et ce qui est bien avec la peinture contraste, c'est que j'ai déjà fait de l'autre côté. Plus vous en mettez, plus le pigment va assombrir votre pièce en fait. Et donc du coup ça permet d'en remettre une deuxième ou une troisième couche si vous n'êtes pas content de ce que ça donne, et vous pouvez toujours éclaircir avec un brossage à sec de la couleur que vous voulez. Ici ce sera plutôt du blanc ou du beige, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même teinte pour les os, pour tous les squelettes qui en plus ont la bonne idée d'être tous différents, donc ça c'est cool. Et donc sinon j'en ai appliqué aussi énormément sur le bois. Et du coup, ça donne un bois qui est, pour le coup, beaucoup trop vibrant pour moi. Ça, pour moi, c'est une ruine. Donc, je vais plutôt y mettre du white wood. Mais je vais déjà nettoyer mon tapis de découpe qui, du coup, là, a bien livré ce qui restait de Skeleton Horde. Les squelettes sont faits. Et d'ailleurs, on en profite pour voir. Vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le blanc. Voilà, mais ça, c'est beaucoup trop. C'est un bois qui est trop jeune. Il me faut un marron plus foncé. Donc, profitons-en jusqu'au bout. Donc, vous voyez que. Donc, il y a une certaine forme de beige, de marron, ce que vous voulez, sur le bois. Et surtout, moi, au début, c'était pour les squelettes. Hein, Skeleton Horde, c'est fait pour. Donc, vous allez voir la différence avec notamment cette échelle ou ces autres planches-là. Donc, j'ai de la Wildwood, qui est vraiment un marron très prononcé. Presque du niveau de la chestnut que j'aimais tant. Dans les anciennes gammes de peinture, et c'était des encres en fait chez Citadel. Et cette fois-ci, je ferme le pot au cas où. Je vous montre aussi ce que ça donne sur donc ce blanc qui finalement couvre pas si mal. Et vous voyez, donc le marron est très différent. Et là, avec ce gros pinceau, je vais pouvoir en appliquer. Et vous voyez, je reprends la peinture que j'ai mis à un endroit, je tire sur la peinture. Vous voyez la différence là? Et voilà,
C'est justement ce qui fait toute la différence. On peut jouer sur les nuances aussi comme ça, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre une seule nuance de bois, de marron. Ici, vous pouvez faire quelque chose de plus noir, quelque chose de plus vibrant. Moi, j'ai choisi de faire que c'est du bois ancien, quoi, sec. Il devrait être presque noir, en fait. Quand je l'aurai terminé, ce travail de base, parce que c'est du travail de base, je vais de toute façon faire en sorte qu'il soit beaucoup plus noir une fois terminé. Donc, vous voyez quand même la différence entre le bois ici et le bois là. Et du coup, je vais continuer ça hors caméra, ce que je pense que vous avez compris. Et puis après, on va voir là, un petit peu le résultat. Bon, bah écoutez, voilà ce qui est fait avec donc le contraste Weldwood. Je pense que vous aurez compris l'intérêt d'utiliser du brossage à sec dans un premier temps et d'appliquer de la peinture contraste ensuite. Vous voyez que ça donne immédiatement des nuances fort sympathiques et ça fait immédiatement effet, que ce soit sur donc ces joyeux squelettes ou sur du bois. Je pense que vous aurez compris le principe, donc c'est pas la peine que je développe plus que nécessaire sur la pierre. De toute façon, j'ai pas encore décidé si je faisais le même effet que sur la photo ici, avec plutôt du vert ou autre chose. Je verrai ce que je fais, mais en attendant, donc vous voyez quand même la différence entre la Skeleton Horde et le Wildwood. Et vous voyez aussi que j'ai déjà appliqué sur certains détails, notamment ici, là, des espèces d'anneaux, qui est un petit peu partout, en fait, pour accrocher certainement des suppliciers avec des chaînes ou quoi. Et on va voir ce que ça donne ensuite pour l'effet final. Mais là, pour moi, donc, le travail de peinture de base est fait. Et donc j'ai plus qu'à faire d'autres détails que je ferai de toute façon une fois les pièces dégrappées. Et comme ça, ça me permettra de retravailler aussi les petits ergots que forcément on va avoir sur les pièces dégrappées. Hein, voilà. Mais c'est tellement bien fait avec ces pièces modernes, hein. C'était pas franchement le cas il y a quelques années, mais maintenant c'est bien foutu, c'est bien pensé, donc du coup il y aura assez peu de choses à reprendre, je pense, même là. Et on va voir ce que ça donne, mais on va arrêter là. Voilà, parce que j'ai pas envie de renverser d'autres pots, mais bon, vous aurez compris pourquoi j'aime pas me filmer en train de bosser. J'aime pas trop ça. Vous avez vu ce que donne donc la Skeleton Horde, la Wildwood. On verra plus tard ce que ça donne avec la Grax Earthshade. Vous avez compris pour le brossage à sec avec le Corax White. Vous aurez compris que en utilisant un pinceau comme ça, ou même plus gros encore, ça peut le faire. Et vous pouvez, avec ma méthode de peindre directement sur la grappe, faire toutes les pièces en même temps, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent puisque vous économisez de la peinture. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est que la première phase, le travail de base, et ensuite c'est le montage qui va nous dicter finalement le rendu final de ce clocher azurite. Voilà, bah écoutez, désolé pour ces petits aléas. J'espérais aller un petit peu plus vite, un petit peu plus sereinement, mais ça n'a pas été le cas. Mais vous aurez appris des choses avec moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la suite du montage de ce clocher azurite.